Aujourd'hui, les amis, est un grand jour. Je reçois un jeu extraordinaire. Je suis vraiment hyper ému de le recevoir. Là, vous voyez ce que c'est. Je vais mettre comme ça. Vous allez voir. Magnifique. Putain. Truc de malade. Le Metal Slug 3. J'ai le cœur qui bat 100 à l'heure là. Bon, la tranche elle est un petit peu sunfade. Mais ça prouve au moins que c'est un original. Sur les photos, j'avais peur, mais là, je me... Franchement... Enfin, Metal Slug 3, les amis. Mon deuxième Metal Slug. Un des meilleurs, un des préférés par la communauté de joueurs. Avec le 1. Voilà, je vais l'ouvrir, je vais le déballer. De faire ça bien, je sais pas comment ils ont fait ça, ils ont mis du scratch partout. Bon, il est sans notice par contre, je sais pas comment l'ouvrir. C'est scotché de partout. Ah, si, il y a un scotch. On va pas, je vais pas le garder sous sa truc plastique là, parce que c'est un peu chiant. Hein. À moins qu'il y ait un truc là. Là. Putain, ah oui, il y a un scotch là. Oh, c'est casse-couille. Bon, sinon, je vais couper et je vais reprendre après. Ouais, je vais couper, je vais reprendre après. Voilà, les amis, ce magnifique jeu. Je reviens pas. Il est extraordinaire. Ça fait vraiment plaisir. Comme le 4, je tremble. Quand je l'ai reçu, je tremblais à moitié. La cartouche a l'air assez lourde. Hein. C'est quoi? C'est blanc? Je m'en rends pas compte. Ouais. Les deux sont blanches. Ouais. On dirait, ouais. Putain, elle est lourde. Elle est lourde, donc c'est bon signe. Parce que j'ai pas trop envie de l'ouvrir. On va regarder l'insert quand même. Derrière. Ouais, il y a une trace. Je vais l'enlever, l'insert, pour qu'on regarde un petit peu. Ouais. Vous voyez ces petites traces de jaunissement là. Voilà, je sais pas si on voit là à la caméra. Trace de jaunissement, mais on voit pas trop. Je n'ai pas l'impression qu'on voit à la caméra. Je vais peut-être allumer la lumière. Non, on voit pas la caméra. Là, je peux vous dire que c'est un petit peu jauni. Le blanc n'est pas blanc blanc, donc c'est bon signe. Il y a une petite trace de merde aussi là. Donc ouais, ça fait plaisir. Bon. Et ben on va se faire un petit gameplay, hein, obligé. Allez, à tout de suite. Juste avant de passer au gameplay, les amis, j'ai oublié de vous parler d'un truc important. La différence entre le first run et le second run. Donc en fait, c'est une des rares cartouches où, qui a été rééditée en fait, lors du passage de SNK à SNK Playmore.
Donc il y a eu un second run, donc sans le gold warning, vous savez ce qu'il y a là, le gold warning. Et il y a une autre différence en fait, c'est à la dernière page, c'est le SSC, le supporter SNK Club, le club des supporters de SNK. Et sur le second run, vous avez une page blanche sur la gauche, donc vraiment la dernière page, quoi. C'est juste les deux choses qui différencient les deux versions, mais sinon le sticker reste le même. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, avant de faire le petit gameplay, je me suis dit qu'on allait traduire derrière la boîte avec Google Lens, un truc que m'a fait découvrir ma fille que je ne connaissais pas. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, avec l'appareil photo, on pouvait traduire des textes comme ça. Donc, tu prends en photo et ça traduit directement. Donc, peut-être qu'il y en a comme moi qui ne connaissaient pas. Donc, après, c'est pas non plus la grosse traduction de ouf. Hein, mais bon, je vais vous mettre ce qui était mis. Donc, la plus grande bataille de tous les temps, avec de nouvelles fonctionnalités, une porte coopérative qui vous invite à un nouveau champ de bataille apparaît. Quelle vie ou mort vous attend ? Une série de nouveaux types de personnages ennemis. Ensuite, tirer pleinement parti des divers objets de mise sous tension et viser à conquérir tous les itinéraires. Bon, ça va encore, hein, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est, je trouve ça pas mal, moi, de pouvoir voir la petite traduction comme ça. Donc, même pour délivrer des trucs comme ça, c'est quand même c'est vraiment intéressant, quoi. C'est beau le progrès. Bon, allez, à tout de suite. Oula, c'est fort. Oula, c'est fort. Voilà, donc Metal Slug 3 dans la collection. Comment c'est bon, ça. Donc, arrivé en sortie iOS le 1er juin 2000. La version MVS est sortie un petit peu avant, le 23 mars 2000. Donc, voilà. Bon, je vais commencer. Je vais faire le dernier niveau parce que je le trouve vraiment sympa. Le niveau qui est vraiment assez chaud. Enfin, j'arrive, franchement, avec sans les crédits illimités, je le trouve vraiment balèze, quoi. Il est vraiment compliqué ce dernier niveau là. Vous avez le choix entre deux véhicules là, c'est sympa. Bon, je crois qu'il y a 11 types de slug dans ce jeu. Il y a 14 types d'armes. Et bien sûr, pas mal d'embranchements hein, dans cet épisode. Regardez-moi cette beauté là. C'est dur de parler, de se concentrer en même temps. Ah, au secours! Ah bah ben voilà. Bim! Et il a failli aussi avoir un Metal Slug 3X aussi. Mais c'était annulé à cause du rachat de Arrows. C'est dommage. Bon, après, il n'y a pas trop de ralentissement hein, dans celui-là. Peut-être plus à deux. J'ai pas trop fait à deux encore celui-là. Il y a peut-être un peu plus. Donc c'est quand même pas mal, il y a une bonne rejouabilité.
Après, il y en a qui se plaignent de la... Il est trop long, le jeu. Merde, putain, je fais de la merde. Ouais, y a du monde. Ah si, il y a quand même des ralentissements, là. Il y a beaucoup d'ennemis, là. Là, c'est vrai que c'est chargé, là, donc... Après, rien vous empêche de faire juste le dernier niveau avec la carte mémoire. Hein. C'est pas obligé de le faire d'une traite, quoi, je veux dire. Hein. Donc, franchement, chapeau ceux qui arrivent à le terminer avec les crédits de base. C'est vraiment chaud, quoi. Merde. Bon, cet achat-là, je crois que je l'ai fait, il me semble que c'était début mars. L'ai acheté, je sais plus si je l'ai dit, je l'ai acheté sur Bailly. C'est vrai que j'ai tourné la vidéo, je l'ai tourné la vidéo quand je l'ai reçu, le jeu. Là, on est peut-être 3 mois après. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait la vidéo plus tôt. Un ami récurrent de la série des Metal Slug. Je sais même pas comment il s'appelle lui d'ailleurs. Ah, puis ce qui est bien, c'est que c'est assez varié au niveau des environnements, quoi. Là, on a l'environnement la fin de Metal Slug. La fin de Metal Slug 1. Il y aura une petite variante. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai perdu pas mal de vie quand même. Il me reste 3 crédits, ça devrait le faire quand même. Bon, c'est pas pour ça que c'est la fin du jeu. Vous croyez que c'est la fin du jeu, et en fait, c'est encore pas mal de trucs à faire. Je pensais que j'aurais une missile plus tôt. Il va être chaud là. Waouh. Tu vas crever, oui! Bon, il fume là. Je crois qu'il me semble qu'il est plus dur dans le Metal Slug. Hein. Voilà, ça y est. Ouais, il y a franchement une idée originale par chaque écran de jeu, hein, franchement. Il y a pas mal de références aussi à Starship Troopers.
Ah, l'Odyssée de l'espace aussi. Ce que j'aime bien dans ce dernier niveau, c'est la variété de gameplay qu'il y a, quoi. C'est juste incroyable. Bon, on va finir les crédits là, et puis on arrêtera après. Pour l'instant, je m'en sors bien. Ah, putain. Ah, j'ai perdu. J'ai un peu perdu mon truc. Attends, c'est pas hyper dur ici, mais... Ah, le gaz! Putain, merde! J'ai pas chopé le gaz. Ah, fais chier. Ah non. Putain de sa mère. Et désolé, je parle plus trop là. Ah merde. Allez, deux crédits. Ah non, pas le droit là. Thank you.
C'est juste un des meilleurs jeux de la Neo Geo. Ça, vous le savez déjà. Je ne sais jamais que j'aurai ce genre de jeu sur Neo Geo, franchement. Bon, après, il est sans notice, mais bon. On va pas faire la fine bouche. Bon, par rapport à son prix, je l'ai eu à 1 500 € de moins sans notice. Donc, c'est quand même. Bon, ça valait le coup quand même. Quand... Enfin, voilà, ça reste super cher. Hein, c'est clair. Non. Ah, il reste pas tout le temps les armes. Il reste pas tout le temps les armes. Bravo, courageux qui reste jusqu'au bout. Franchement, c'est les vrais. Encore des progrès à faire quand même. Ah bah 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 bah. Ah, et puis les musiques, elles sont vraiment incroyables. C'est vers là que j'arrive, je me crève à chaque fois. Ah putain, ah, c'est chaud. Ah, mais merde! Ouf! J'y ai cru là, franchement, n'importe quoi. Oh, je suis vraiment de la merde.
C'est hyper drôle. Hein. En général, Mordrain. C'est excellent. Ouais, je crois que c'était là. J'ai pas réussi la dernière fois. Ah putain, c'est chaud. Ah, en fait, faut juste se mettre là, je suis con. Ça. Ah merde, ah, bah là par contre, fallait pas s'y mettre. Ouais, je crois que la dernière fois j'avais crevé ici. J'avais crevé au boss, là. Enfin, au mini-boss. Hein. C'est sympa ça. Ouais, je sais pas si elle me touche les missiles. Ah, je vais pas me faire avoir cette fois. Ah si. Bon allez, j'ai beaucoup de vie là. Ah non, ça ne touche pas les... Bon, 21 minutes quand même, désolé. Je sais même pas si je vais réussir à le bloquer la vidéo. Voilà. À mon avis, je vais pas faire long feu. Ah merde, putain. Bon bah voilà. Ah, il est vraiment excellent, hein, franchement. Bon bah voilà les amis. Allez, je vous dis à la prochaine. Hein, et puis faites pas comme moi, j'étais deux sur MVS. Hein. Allez, salut tout le monde, ciao.